Nous parlons d'une discussion qui concernait le Premier ministre ou le Président tant que l'avenir du Parlement va clair. C'est pour que la question soit claire, le fin clair, et bien apprendre ça bien après. L'avenir du Parlement, vous avez dit qui ça? L'avenir du Parlement, vous avez dit à aucun moment, l'ordre républicain ne va pas interrompu. Et l'ordre républicain pour nous, il est consacré dans la Constitution en article 58 à 61, qui dit que vous confiez la souveraineté nationale là à trois pouvoirs. Trois grands pouvoirs, c'est législatif, exécutif et judiciaire. Donc, je suis là, l'autre de facto, ou bien l'autre pas là tout. Donc, je ne suis pas là. Et dans les bilans, vous dites, je vous dis, si vous convocation à l'extraordinaire du Congrès américain, sénateur et député Paris, c'est vous qui allez répondre à la convocation. Parce que tant que 3 janvier va arriver, ça le lime doc aux États-Unis d'Amérique. Tant que 3 janvier va arriver pour que ça fait que lui, il fait prestation investiture, il pas qu'à siéger. Donc, constitution pas nous, pas prévoir, pas d'abri parlement. Il pas prévoir que nous avons privé un moment côté que l'exécutif a pris pour compte lui. Donc, en pile fois, chef d'État a dit qu'il va avoir un engagement pour longer mandat, sénateur et député. Mais chef d'État va avoir un engagement pour faire 4 ans, il va faire élection dans le pays. S'il fait des violer, il viole la Constitution. Comme il viole la Constitution, nous-mêmes nous disons pas qu'il y a une vie institutionnelle. Donc il faut qu'avenir Parlement clair avant de discuter quoi que ce soit. Donc je dis ou dis qu'il y a un Premier ministre qui est nommé, moi-même ignorer que mon Premier ministre qui est nommé. Il faut qu'on prenne accord d'abord, qui dit que trois pouvoirs de l'État ont metté d'accord. Et le président, c'est le chef de l'État. Chef de l'État, il dit, c'est le chef pouvoir exécutif là, même de chef de l'État. Donc il lui dit que la réunion avec trois pouvoirs ça pour prendre une décision pour dire yo mettez d'accord pour que pas une vie institutionnelle. C'est ça seulement demandé. Et là fin mettez là qu'on pas une vie institutionnelle en dans document nous proposé à nous dit avant 12 janvier nous-mêmes dans Sénat n'a déjà planché sur loi électorale là. Donc son cadeau de fin d'année que débat président s'il devait prendre m'a pas faire pronostic ni penser. Monsieur Evans Paul, il a désigné le Premier ministre. Et on nomme, on le a, mais beaucoup pour le Premier ministre, tant que nous pas ouais pièce ici, les n'a fait, les vous pas politique générale, et puis le monde tombe. Et même si l'équipe mafia ça a découvert, ils font magouille dans la constitution amendée, pour retirer le processus ça, donc le processus soit ratification, soit donc ils ont pari. Mais ils tombent, ils ne vont pas retirer, c'est que l'article 757 de la constitution dit, mais sans monde besoin pour le Premier ministre. Et qui est-ce que vous jugez sous gagnant ou pas gagnant? C'est le Parlement. C'est le Parlement. Même si c'est le Parlement qui peut recevoir la prestation seulement président, c'est le Parlement oui, pour juger si vous respectez. Le président choisit, mais vous pour sanctionner ce Parlement. Donc je dis, il n'y a pas de séance pour faire ratification choix. Donc il y a tout nommé, il n'y a pas de problème. Mais il faut que j'aime le Premier ministre tant que nous-mêmes, nous pas bâillons et consentement à la politique générale. Et les pour recevoir la politique générale, la déclaration politique générale, c'est là ça nous exige que tout document. Conforme. Si nous n'avons pas su que tout document conforme, nous ne sommes pas prêts pour nous recevoir. C'est la Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre pour nous, tant que la question du Parlement n'est pas éclaircie. Le président, donc, il faut parler avant dans le téléphone. Qui ça le dit? Il dit qu'il souhaite rencontrer. Et je dis qu'il n'y a pas de problème, parce que je ne suis pas dans le Port-au-Prince hier. Et je dis qu'il n'y a pas de rencontrer. Mais Evans Paul, je vais rencontrer en tant que Evans Paul, en tant que Premier ministre jusqu'à présent. La chance, M. Paul, dépend des capacités pour négocier avec acteurs. Des capacités pour le fonds gouvernement qui est acteur retrouvé là-dedans. Parce qu'il n'a pas parlé du Parlement. Quand on comprend l'infini du problème du Parlement, ça veut dire que M. Evans Paul tout passé. Non. Qui figure par le gouvernement? Qui est-ce qui a fait le gouvernement ça? Qui consensus vient du gouvernement? Et je pense que les collègues qui fait ce parler là, et si les gens qui mangent les raisins vêtent, ils ne pas remplacer d'un cani par d'un cani. Donc c'est clair, ça veut dire que la question est claire pour nous. Moi-même, je n'ai pas oublié, dès le premier jour que je recevais la commission ici, je ne vais pas vous faire des malheurs. Mais si nous rappelons, nous avons dit qu'on fait effort pour ne pas retirer trip, mais des pailles, ou bien retirer pailles, mais des pailles. Je me dis ça. Donc, c'est la même logique là. Je veux dire, je pense que si vous avez fait le choix, installer, tu as compilé le flibustier, faire quoi que vous avez installé le gouvernement sans parlement, et vous avez un bon secteur service, et en EVIA, nous-mêmes, nous avons toujours montré nous patients, et nous toujours montré nous flexibles en négociation pour nous dériver une solution pacifique. Et comme le coordonnateur européen l'a répété, la paix n'a pas pris. Mais comme la paix n'a pas pris, nous-mêmes, nous avons pour nous défendre la paix. Mais si c'est l'autre choix qu'on fait, moi, déraciné mon Dieu seul. Pas président du Sénat, déraciné mon Dieu seul, sénateur déraciné mon Dieu seul.